C'était en 99, le club troyen se déplaçait à Cannes pour tenter de décrocher une montée en D1. Les Aubois avaient gagné 2-0. 11 ans plus tard, l'Estac reprend le chemin de la Côte d'Azur. Cette fois, il ne s'agit pas de retrouver l'élite du football, juste d'assurer une montée en Ligue 2, une montée que les Troyens n'arrivent pas à concrétiser. C'est vrai qu'on a du mal à conclure. On est comme tout le monde, on est comme les supporters, on est comme les sponsors. On aimerait que cette équipe conclue. C'est vrai que le football et le sport, c'est une passion, c'est passionnel. Il y a un côté irrationnel qui fait qu'on peut vite s'enflammer et des fois perdre les pédales. Restons zen, on a notre destin entre nos mains, on a la communication qu'il faut, on a les gestes qu'il faut. C'est ce que l'on appelle la méthode Coué. Ce discours plein de certitudes fait peur aux supporters et aux observateurs, mais il est le même dans la bouche des joueurs malgré la série de 7 matchs sans victoire. Ça fait un moment qu'on dit il nous faut une victoire et on sera bien, et cette victoire on l'a toujours pas, donc ça devient très 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 chiant. Et voilà, maintenant faut pas lâcher, il reste quand même 3 matchs, on a toujours 5 points d'avance. Si on a qui doute, c'est normal, les derniers résultats c'est un petit peu normal, mais nous on est sûr de nous, on sait qu'on va monter. Sincèrement, dans le vestiaire, nous on n'est pas inquiet, c'est ça on n'est pas inquiet, on sait qu'on va monter, on sait qu'il faut juste qu'on gagne un match. Nous on n'est pas inquiet du tout, il n'y a pas de panique ou quoi que ce soit. Donc après, c'est vrai qu'il y a des gens à l'extérieur, ils disent ouais, comme des joueurs ils sont comme ça, mais cette année il n'y a rien à reprocher au groupe et tout ça. Tant que nous on est persuadés de monter, le reste c'est pas un problème. Cette confiance, il faudra demain à Cannes la montrer sur le terrain. Les joueurs troyens auront à cœur de prouver que leur groupe n'a pas le même état d'esprit que les deux dernières saisons, si catastrophiques lorsqu'il s'agissait de conclure. On a un groupe extraordinaire. Ça n'a rien à voir, c'est le jour et la nuit avec les saisons précédentes. Cette année, ces garçons-là, ils ont l'amour du maillot, ils vont le défendre, ils vont l'emmener jusqu'au bout, et je peux vous dire, il faut garder confiance, on va monter, c'est sûr, on va monter. Méthode Coué ou réalisme, la montée en Ligue 2 pourrait être officielle dès demain soir à Cannes, comme le symbole d'un esprit retrouvé.